Hey, salut tout le monde, ça c'est l'éponge. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur Fortnite, ou plutôt sur Lego Fortnite, pour vous présenter ma petite construction du coin de pêche. À mon avis, ici, ça paraît être super, hein. Je ne sais pas du tout lequel choisir. Attendez, hop. Oh, ça m'a l'air parfait. Quoique il manque un peu de sécurité, non? Attendez, on va voir ensemble. Enfin, je vais voir avec vous. Ça m'a l'air trop simple. C'est celle-là, comment? Il est juste tourné. Si je m'approche comme ça. Quoique, attendez, je vais choisir un petit peu comme ça. Ah non, hop, non, à cet endroit-là, je pense que c'est meilleur pour poser une construction. Hop, non, ici, non, je recule un petit peu. Moi, j'ai envie que ça rentre carrément dans l'eau, hein. Bon, je sais pas comment je me suis démerdé tout à l'heure. Ah, comme ça, attendez, j'avance un petit peu. Ça m'a l'air super là. Ça m'a l'air super si je pose. Ouais, c'est bon. Allez, commençons la construction. Il faut pas que je tombe dans l'eau, hein, sinon je vais me noyer. C'est pas le but non plus. Hop, qu'est-ce qu'il faut? Il faut mur à cabanon. Ok, c'est bon. Étape terminée. Ensuite, ça. Ensuite, ça aussi. Hop. Petite barrière par-ci, une petite barrière par-là. Et mur cabanon numéro 1. Ok. Ça, c'est terminé. Ah! Il me manque des planches. Alors, les planches, j'ai tout prévu. Hein. Normalement, je dois en avoir. Oui, j'en ai pris 70 là. Il pleut toujours par ici. Mais c'est pas grave, ça m'empêchera pas de continuer de construire mon petit cabanon. Heureusement que j'ai amené plusieurs planches parce qu'il y a beaucoup de barrières à faire, hein. Il y a beaucoup de barrières à mettre en place. Ah, ça c'est fait, barrière de protection. Ah, maintenant j'attaque le toit. C'est assez simple finalement. Hop, et l'autre côté. Étape 8 sur 10, c'est terminé. La façade, bien sûr, il faut pas oublier. Voilà. Étape 9 sur 10 terminée. Ah, il manque juste la finition. Un côté et puis de l'autre. Bon, c'est assez simple. C'est assez simple, mais c'est plaisant. Voilà, ça donne ça. Donc ici, c'est un endroit pour s'abriter, hein. J'ai rajouté de la lumière, bien sûr. N'est pas resté dans le noir. Hop, voilà. Donc vous connaissez hein, ma petite lumière d'habitude. Juste une petite torche, ça m'y va très bien. J'ai pas besoin de compliquer les choses. Ah, comme ça, je peux même pêcher pendant la nuit. Et par contre, il pleut beaucoup vers la plage, hein. On n'a pas le temps de profiter du soleil par ici. Malheureusement. Voilà, ça brille de partout maintenant. Oh, je peux mettre de la lumière côte à côte. Allez, hop. Voilà. Mais par contre, j'ai pas compris pourquoi pas de barrière par ici. Des côtés, j'ai pas compris là.
Bon, là, je suis bien dans la mer. Il me semble qu'il manque un peu de coffre, non? Pour stocker des poissons. Et il manque aussi. Qu'est-ce qui manque là? On regarde. Un préparateur de nourriture, on dirait. Hein. Il manque des os et il manque tige de bois. Des os et tige de bois. J'aime bien mettre les choses dans le coin, mais ce coup-ci, je vais mettre. Ah, c'est trop au milieu là. Ça va être gênant, non? Ça va être gênant si je pourrais emballer ici. Hop, je pose là comme ça. On va voir tous les coffres. Bon, je vais mettre coffre classique, hein. Oula, il y a des habitants qui arrivent. Eh oh. En plus, ils m'attaquent, hein. Ils m'attaquent, ces habitants. Est-ce que je vais être tranquille par ici? Est-ce qu'il faut que je rajoute une barrière? Une barrière ou plusieurs barrières? Parce que là, je vais pas passer ma vie à se faire attaquer comme ça. Attendez. Ouais, je peux rajouter hein, une barrière. Voilà, comme ça, c'est super. Hein. Une deuxième ici. Oh, c'est pile poil comme il fallait. Mais bon, non. Il manque un petit peu de. Oh, c'est pas grave. Allez, je rajoute de la lumière. Voilà. Par contre, il faut que ça arrête de pleuvoir. Hein. Si je suis venu à côté de la plage, c'est pas pour que je prends la déluge. Allez, c'est quand tu veux, pépère. C'est quand tu veux, voilà. Voilà. Je peux rien ainsi. Ah, ça, c'est bon. Ok, pour l'instant, tout ce qui est lumière, on va s'arrêter là. Du coup, bah même ici, hein, je vais rajouter un petit peu de barrière si je peux. J'espère que je peux. Hein. Toujours en bois. Quelle? C'est celui-là. Non, trop petite. Celui-là, est-ce qu'elle est trop grande? Trop grande. Et ça, ah bah. Attendez. Je suis obligé de prendre d'autres. Ouais, quoique. Ouais, juste l'histoire de ne pas tomber par là comme ça. Voilà. Est-ce que j'aurais dû mettre. Moi, je pense qu'il faut que je le tourne. Faut que je tourne. Hop, voilà, là c'est mieux, non? Tourner comme ça, c'est mieux. Un peu plus logique quand même. C'est vrai. Bon, j'ai ici la machine faire des sushis. Est-ce que je me mets un truc pour griller, pour faire griller directement sur place? Ouais, pourquoi pas, voilà. Comme ça, dès que j'ai un petit croc, bah. Je fais chauffer directement le poisson. C'est super. Mais après, bah, je vais mettre un truc de stockage. Qu'est-ce qu'il faut pour stocker? Ok, je vais mettre les coffres. Si je mets le coffre ici, est-ce qu'il y aura de la place? Enfin, je l'espère. Hein. Non, malheureusement, il n'y a pas assez de place. Sinon, ça va décaler. Bon, je vais mettre comme. Plutôt comme je voulais avant, vers le mur. Voilà, hop, ici. C'est super comme ça. Ici, est-ce que je peux rajouter un? Non, c'est bon. Bon. De toute façon, je vais mettre un peu de coffre un peu partout. Non, c'est bon, sinon ça va être moche. Voilà. On va voir un peu de loin, qu'est-ce que ça donne.
Un feu de camp, tiens. Pourquoi pas? Un petit peu un feu de camp ici pour se réchauffer un petit peu. Juste là, c'est bon, comme ça j'aurai pas froid. Il y a de la place de toute façon. Qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Est-ce que je peux mettre un peu de sol? Ouais, c'est trop haut le sol. Attendez. Non, je peux pas faire autre chose. Attendez, je vais juste voir les choses que je peux rajouter. J'espère que je peux rajouter des trucs. Bon, vous arrêtez de m'attaquer comme ça là. Mais c'est pas possible. C'est ma tranquille. Qu'est-ce que je peux ajouter? Finalement, je peux rien ajouter. Hein. Non, j'aurais bien aimé rajouter un truc, mais c'est un peu trop haut. Ça gâche un petit peu la simplicité. Allez, je vais faire 2-3 cannes à pêche. Quelle canne à pêche? Je vais faire canne à pêche simple pour l'instant. Il faut tige de bois, gris. Ok. Comment ça doit se faire? Voilà. Je fais un comme ça. Maintenant que j'ai les cannes à pêche, je vais pouvoir enfin tester. Ah bah, je viens d'avoir des poissons orange. Hein. Y a plusieurs sortes, je crois, des poissons orange. Il y a même un poisson orange rare qu'on peut mettre dans un tableau. Oh, c'est quoi ça comme poisson? Poisson bleu. Oh, c'est là pour la mulette rare. Ah ben bon, ben, je vais m'arrêter là pour cette partie de pêche. J'ai eu ce que je voulais. Merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager cette vidéo. Et puis toi qui passes par là, qui n'es toujours pas abonné à cette chaîne, je t'invite à t'abonner et d'appuyer entièrement sur la petite cloche pour ne rien rater sur cette chaîne. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, mes amis. Ciao, ciao!